Good morning, Aleidan, et je suis aujourd'hui le Nishmat Haester Bat Miriam, ainsi que l'Irfat Olivier, Sreda Shaman Ben Haester, Hamshat Miriam Bat Ozena, Bienmin Ben Chibiba, et Esther Bela Bat Chaya Verda Tzipora, Betor Shar Chol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Eruvin, Perek Yud, Mishnachet. Ilan Sheu Mesech al Haaretz. Imen Anofo Gavo Aminares Shloshat Fachim, Metatelin Tartav. Sharashav Gvoin Mina Aretz Shloshat Fachim, Lo Yeshev Alehen. Adelet Sheba Mukze, Vachadakim Sheba Pirza, Umachatzalot En Noalin Bahen, Ela Imken Gvoim Min Aretz. Deux voire trois sujets dans notre Mishnah. On commence avec le premier, une lacha de Ilan Sheu Mesech al Aretz. Un arbre qui avait les branches qui recouvraient littéralement les assets. Mesech, c'est comme Massar, c'est le même Shoresh. C'est qui protégeait, qui enveloppait. Soit on avait un arbre, c'est fréquent avec les sols pleureurs par exemple, il a des grandes branches qui descendent en bas, du coup on se retrouve sur l'arbre enfermé. La question elle est de savoir, est-ce que je suis dans le Jouta Yichud, dans le Jouta Rabim, c'est-à-dire, il y a un Jouta Rabim autour de moi. Et quoi? Il y a l'arbre, le sol pleureur, il a des branches qui sortent loin, et qui ferment dehors. Du coup, la question est-ce qu'on peut considérer ces branches comme une Mechitsa? C'est comme une barrière qui me délimite. Et du coup, je suis en ce moment dans le Shuta Yachid, et j'aurai éventuellement le droit de porter sous l'arbre. Alors la Mishnah, de manière générale, elle va me donner une permission, que le Barthénois va rallonger longuement pour la préciser exactement. D'abord, on commence par traduire la Mishnah. Ilan Shu Mesech al Haaretz. Un arbre donc, qui recouvrait sur la terre, jusqu'au sol, il avait les branches qui tombaient jusqu'en bas. Imen Nofo Gavo Amin Haaretz. Si toutefois, le nof, le feuillage, n'est pas haut de la terre plus que 3 tefar, 3 points, l'équivalent de 27 cm, 28, 30 cm, allez, disons, eh bien, Metaltelin Tartav, on a le droit de porter sous l'arbre. Soit, il est possible de faire avec donc, ces branches qui tombent, imaginez, vous coupez les branches à l'intérieur, comme ça vous avez de l'espace, vous avez fabriqué une petite cabane naturelle plantée, et vous pouvez porter à l'intérieur, à condition que les branches n'arrive pas à une hauteur du sol plus que de 3 tefar. Vous connaissez la règle que partout où il y a 3 tefar, c'est considéré que c'est rempli. La voûte, c'est fréquent dans les rotsuka, c'est fréquent dans plein de halakhot. La voûte, le fait qu'on ait une ouverture de moins de 3 tefar, c'est considéré que c'est tout bougé. D'accord? C'est comme s'il y avait une petite fenêtre, c'est pas grave. Alors que si les branches arrivent plus haut que 3 tefar, ça s'appelle qu'il y a une ouverture, donc t'as plus une barrière qui tombe depuis le sol, donc ça délimite plus l'endroit. Comme on a déjà appris plusieurs fois, on a déjà évoqué le sujet plusieurs fois. Maintenant, le Barthénois nous précise attention. Il y a plusieurs conditions en fait. De manière générale, une barrière qui n'est pas fixe n'est pas une barrière. Vous allez me dire, c'est évident. Une barrière qui bouge, c'est pas une barrière. Alors, je vous pose la question, regardez autour de vous, est-ce qu'il y a des gens qui font des soukas avec des murs qui se promènent? Si vous verrez que malheureusement, il y en a beaucoup qui le font et ça n'a pas de statut de barrière. Un vrai mur flottant, par exemple, c'est sûr que c'est pas du tout. Si ça flotte sur une toute petite épaisseur, largeur d'un tefar ou de trois esbaot, je sais plus, il y en a qui vont permettre, mais de manière générale, un mur qui est flottant n'est pas une barrière. C'est le même principe avec les branches qui tombent. Si les branches, on peut facilement les pousser, ça marche plus. Donc du coup, tu pourras les faire en barrière, tu pourras les utiliser en tant que limite, en tant que barrière pour l'arbre, que si tu vas les attacher entre elles, qu'elles vont plus bouger. D'accord? C'est là une condition. Le Barthénois précise deux conditions. Il y a aussi une deuxième condition, c'est que le trou ensuite par terre de moins de 3 tefar, tu le remplisses avec du Teven Vekash. Je ne sais pas pourquoi il requiert cette condition, le Barthénois. Je n'ai pas répondu la question non plus. D'accord? Il le rapporte ici. Donc, il faut qu'il remplisse le Avir chez Ben Anof, la Aretz Beteven Vekash. Donc, je ne sais pas pourquoi. Normalement, dans un évoud, on n'a pas besoin de remplir. Je ne sais pas pourquoi il a dit qu'il fallait le remplir cette fois-ci. En tout cas, le point très important, c'est donc que les branches ne soient pas flottantes, qu'elles soient fixées. D'accord? Tu peux leur mettre un grand cerceau, je ne sais pas comment tu les fixes, de manière à ce qu'elles ne vont plus bouger. Et là, tu pourras utiliser ça en tant que barrière. Une autre précision encore qui nous rapporte le Barthénois, cette fois-ci je ne rallonge pas, c'est en rapport avec le Betsa Taim. Vous vous rappelez que de manière générale, une maison, elle peut être aussi grande que tu veux, tu pourras porter dedans, même si elle fait 75 000 km². D'accord? Si c'est une maison, une vraie maison où tu habites dedans,
c'est fait, Makom, Arou, il les dira, il n'y a pas de problème. Par contre, un endroit qui est plus que Bet Sataim, qui correspond à une largeur de 50 sur 100, si toutefois c'est ce lieu qui est fermé par une barrière, il n'a pas été fermé en guise d'habitation d'homme, mais il a juste été fermé pour stocker de la marchandise par exemple, s'il avait été plus large que Bet Sataim, donc le 50 à main, 25 mètres sur 50 mètres, on va dire, eh bien, tu ne pourras plus porter dedans. Tu peux le porter que jusqu'à cette mesure de Bet Sataim. Du coup, l'arbre, alors l'arbre, ça devient délicat. L'arbre, puisque c'est pas fait pour une maison d'habitation, c'est fait uniquement pour s'abriter un petit peu du soleil, c'est pas considéré comme une habitation. Et du coup, si le nof, il va être plus large que 50 sur 100, un mât carré, eh bien, tu ne pourras plus porter dedans. C'est la troisième condition à porter dans le Bartanora. Et je continue à avancer la Mishnah. Autre sujet maintenant, du coup, puisqu'on parle des arbres, s'abriter dedans pendant Shabbat, on va prendre une halakha très importante, que dans 5 minutes d'ailleurs ce mois-ci, on a fait plein de questions du Shabbat, sur ça spécialement, l'interdit d'utiliser un arbre pendant Shabbat. Sharashav Gvohin Mina Aretz Shloshat Fachim. S'il avait des racines qui étaient hautes du sol, de plus de 3 tefar, lo yashav alem, on n'a pas le droit de s'asseoir dessus. Halakha très importante, on n'a pas le droit de s'asseoir sur un arbre pendant Shabbat, de s'appuyer, de s'adosser sur un arbre, c'est interdit. Et dès qu'il va y avoir une racine même, qui va sortir du sol, qui va dépasser de plus que 3 tefar, on n'a plus le droit de s'asseoir. Moins que 3 tefar, c'est permis. Tout ce qui manque moins de 3 tefar, il n'y a aucun problème. Tu peux marcher dessus, tu peux ce que tu veux. Mais dès que c'est haut de 3 tefar, tu ne peux plus l'utiliser. Du coup, il y a plein de halakhot assez complexes. Si tu as ton chapeau, ta kippa qui s'envole sur un arbre et qu'elle est fixée, même ça peut même être des buissons, même. C'est pas évident d'aller récupérer. Si tu la prends sans qu'il y ait rien ne bouge et que tu t'appuies pas sur l'arbre, peut-être qu'on peut permettre. Il y a un vaste sujet. D'accord ? Dans l'Agma, ici spécialement, dans les rouvines, on en parle longuement. Et encore, troisième sujet de la Mishnah. Maintenant, on passe à un autre sujet. Adelet Sheba Mukhtse. Le Mukhtse, c'est une. Je sais pas comment ça se traduit. C'est une arrière-cour. D'accord? Je traduis d'abord littéralement. Adelet Sheba Mukhtse, la porte de l'arrière-cour. Vachadakim Sheba Pirza. Et littéralement aussi, on va traduire les épines. Qui bouche le trou. Ou machatzalot, ou encore, ça peut même être, comment dire, des nattes de roseaux. En noalin baem, tu ne pourras pas fermer avec eux. Elaim ken, gvoin, minaretz, sauf s'ils sont hauts de. Ils sont plus hauts que le ras du sol. Je m'explique, c'est très simple. À Shabbat, on n'a pas le droit de construire, bien évidemment. Imaginez maintenant que vous avez. On va prendre. Vous avez une barrière, une cour. J'illustre d'abord le cas pour vous expliquer c'est quoi la problématique ensuite de notre Mishnah. Imaginez que vous avez une cour ou une palissade, où il y a une palissade qui est entièrement tombée. D'accord ? Shabbat, si vous voulez la prendre et la remettre, par exemple, si vous allez la fixer, la recaser à sa place, vous transgressez un interdit de bonnet minatora. Et si vous ne la refixez pas franchement, mais vous la mettez encore de manière un peu mieux, c'est possible que vous allez transgresser un interdit. Mais de Raita, peut-être des Rabanan. Ça dépend du cas de ce que vous avez fait exactement. C'est un grave problème. Si on a un mur, la palissade allait tomber, on ne pourra plus la remonter. Selon ce principe, la Mishnah, maintenant, on parle de trois cas de figure qui est la même idée. C'est où on a des portes qui sont des portes très médiocres, de qualité mauvaise, pas du tout taillées en tant que portes, qui n'ont même pas de gonds sur lesquels elles pivotent, qui sont même pas. Vous avez un gros morceau de bois qu'on met pour fermer une ouverture. La Mishnah me dit, tu sais quoi, t'as pas le droit de remettre une ouverture pareille. En deux mots, c'est ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. Toutes sortes, ça peut être la Delet Sheba Mukhtse de l'arrière-cour. L'arrière-cour, t'investis pas dans le design. Tu la laisses très, très grossière, donc t'as pris une planche comme ça que tu mets sur l'ouverture pour fermer, pour bloquer la porte. Toi, tu le considères comme une porte. Nous, concrètement, on le considère que c'est Mirzé, c'est Midrabanan, ça c'est apparenté à une construction d'un mur, puisque c'est pas une vraie porte. Tu ne pourras plus le remettre. Idem aussi, j'ai pas compris comment c'est exactement, c'est Kotsim, le Hadakim, je sais pas pire ça, l'Overtenor, il rapporte. Je sais pas comment ils ont fait ils ont pris un tas de d'épines, ou je sais pas exactement, pour pouvoir fermer la porte. D'accord? Ça va pas, c'est pas non plus une vraie porte, elle a pas de gonds, c'est un morceau très grossier qu'on met comme ça pour fermer la porte. Ou encore, Mahatzalot aussi, un Geder de Kanim, il rapporte l'Overtenor, des roseaux, qui sont tous alignés, et on le met comme ça, on le pose dessus, de nouveau, Ennoalin Ben, tu ne pourras pas fermer avec eux, et là, Imken Gvohin Minaret, sauf s'ils sont hauts
plus haut du sol. C'est-à-dire, tu vas les mettre maintenant de manière à ce que tu vas les fixer, il y a disons deux petits sortes de crochets par exemple, où quand tu vas la mettre, la porte, elle, le truc qui va rester, la porte, on peut appeler ça une porte, la porte elle va rester plus haut du sol. Puisqu'elle reste haute du sol, même c'est pas la peine, c'est pas facile qu'il faut trois téfards, mais rien. Ça suffit même qu'il y ait un tout petit peu, puisqu'on voit qu'il y a de l'air qui passe en dessous, alors du coup quand on voit ça, on remarque que c'est pas une porte, que c'est pas un mur, mais que c'est plutôt une porte, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Salam.